Oui, il est 20h30. Il faut que j'aille dans le local. Attends, je vais mettre le truc Discord. Hop là. Voilà. On réfléchissait à des concepts. C'est vrai que le lundi élargi. Bah oui. Ah non. Oh non, ça va commencer à m'apporter des problèmes, toutes ces histoires-là. Et peut-être plus si affinité, finalement. Ouais, bah ouais. On met juste, on met juste nos best-of sur le grand écran, ça suffit, je pense. Mais oui, avec ça diffuse des best-of de nous. Ah ouais. Pendant que les mecs baisent, on peut faire un petit décor à la maison saucisse là-dedans. Eh bien, c'est super en tout cas d'arriver sur ces belles paroles, en tout cas. C'est. J'ai envie de te dire, bah c'est. Je sais pas. C'est Fred qui reproposait de reproposer dans le club Libertin. Mais oui, ça fait longtemps. C'est vrai que toi, t'as vraiment cet esprit entrepreneur, Fred. On n'a pas avancé sur ce projet. Bah, imagine sur nos fiches de. Sur nos fiches de patron, il y aura. Il y aura marqué création de contenu audiovisuel sur Twitch et gérant d'un club. Ah oui, oui. Sur Wikipédia aussi, du coup, dans ce cas-là. Je veux dire, c'est... Ah, moi, j'ai pas Wikipédia, moi. Oh, putain. Ouais, c'est ta gueule. En 2020, avec le streamer... Mintos, il a pas Wikipédia, quoi. Arrête. Mais si, t'as Wikipédia, il suffit d'aller sur Internet et de taper Wikipédia, mec. Oui, non, mais oui, c'est vrai. J'ai Wikipédia. Ah, bien joué. Non, mais faites-lui une page Wikipédia, comme ça, Wikipédia va croire que c'est lui-même qui s'est fait une page. Arrête, ils vont mettre des dingueries. Oui, oui. Mais non. Tu sais que ma page Wikipédia, elle est protégée. Mais parce que la mienne a été méga vandalisée à une époque. Ah ouais. Ah ouais, de fou. Allô. Allô. Oui. Bonjour. Allô. Hello. Florence, est-ce que t'as un peu de liquidité de côté là pour investir dans le club libertin de Fougères? C'est Fred qui redemande. Je redemande pour investir dans le club libertin de Fougères. Parce que je suis sûr qu'il est sur le point de fermer. Bah il a en fait il avait été racheté. Il est en vente. Puis il a fermé parce que à cause des restrictions pour le Covid. Et du coup là maintenant, enfin peut-être je me dis. Un masque. Ah, tu crois en fait? C'est une vraie question. Peut-être. Ah ouais, peut-être. Ah ouais, bien sûr. Hommes culés avec les masques. Il disait, mais t'inquiète pas, j'ai le masque. Si tu veux brander ce club libertin autour de nous, Fred, j'ai pas trop envie de voir le public qui va venir là-bas, je vais pas te mentir. Ah ouais, j'irai pas non plus. Non, mais le public qui va venir là-bas seront physiquement repoussants. Du coup. Pourquoi? Ah moi, alors de ça fou, c'est, hein. C'est l'image que t'as des gens qui... Non, ce n'est pas l'image que j'ai, c'est ce qu'ils sont. Sur le live d'Antoine, là, vous avez vu, vous êtes physiquement repoussant, il vient de le dire. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai, le chat? C'est pas vrai ou c'est pas vrai? Réel, vrai, c'est réel. Voilà, merci. Moi, je suis pas hypocrite en mode, vous êtes tous beaux et tout. Non, vous êtes tous hideux. Voilà, qu'on soit bien clair. C'est pas vrai! J'ai déjà vu certaines photos de vous. Vous êtes. Tu veux pas tirer d'emblée sur ta clope, Antoine? Mais laisse-moi tranquille, merde! Avec ma clope. Moi, je leur demande pas d'être beau ou pauvre, je leur demande d'être riche, moi, c'est tout. Hein. Bon, et du coup, le club libertin, vous investissez ou pas? Du coup, j'ai pas. Ah ouais? Après, moi, j'ai pas beaucoup de trésors, hein, ces temps-ci. Franchement, je vous le dis sans aucune blague, franchement, si vous êtes chaud, moi, je le fais. Attends. Juste parce que ça me fait. Ça coûte. Il coûte combien le club libertin? 69 000 euros, moi c'est juste parce que... vraiment 69 000 euros? À l'époque il coûtait 69 000 euros, maintenant je sais pas, peut-être il vaut moins, j'en sais rien. Je sais même pas s'il est en vente en vrai. Mais qu'est-ce qu'on a pour ça? Est-ce qu'on a les murs, juste le bail commercial? Qu'est-ce qu'on a? Ah bah t'as le bail commercial avec, je pense, les trucs qui... En fait on a juste un bâtiment quoi. Bah t'as le bâtiment avec les trucs qu'il y a dedans, il y a les canapés. Ouais, enfin les canapés je pense qu'il faut les changer. À tous les coups il y a des punaises de lit dans tous les sens dans ces trucs là. Alors on me dit le prix qu'on prend en intégralité des installations déjà présentes, ce qui compte piste de danse, cage, coin coquin, sauna, douche, machine à laver, fumoir, lit à fantaisie, mais aussi table de... Avec des jumeaux fantaisistes dedans. Et jeux de lumière. Ce soir, soirée spéciale, vous pourrez retrouver Mintos dans le coin coquin ce soir. Le coin coquin avec Mintos ce soir, fréquentation du club ce soir-là, zéro personne. Ta gueule. Non, il y aura Fred, pourquoi t'es méchant gratuitement? Je plaisante, Bubou, moi je viendrai dans le coin coquin te rejoindre. Je viendrai te rejoindre dans le coin coquin, mec. T'inquiète. Ah ouais, il y aura insuline et nicotine en mix, j'avoue. Ah, je sais pas si Étoile il serait très chaud pour ce genre de truc. Jeudi en showcase. Je sais pas si Étoile il serait très chaud, tu vois. Mais se concentrer, j'avoue. C'est un gros baiser. Ça, je te le confirme, putain. La tête dans les platines. Client fidèle, hein, client fidèle. Un client fidèle, tout à fait.